Les voitures sont laser scannées et les circuits sont laser scannés. Donc c'est le plus réaliste qui existe. En plus, maintenant il y a la pluie. Vous savez que j'ai toujours pas roulé sous la pluie sur e-racing, moi. C'est ça là. Ça peut être beau, hein. Ça peut être beau. Mercedes a collab avec Simlab pour faire des répliques de leur vrai volant F1. Il coûte 2700 euros, j'ai le seum. C'est vrai que je m'attendais pas à forcément mettre 2700. Mettre 2700 euros dans un volant. Mais bref, il y a un setup e-racing de base, donc on va le mettre. On est à Fuji dans les nouvelles F3. J'ai beaucoup trop d'essence. Et je vais juste régler ma FOV. Ah, tu vois, il y a un truc qui cloche déjà. Tac. Je roule en combien d'habitude? Je roule pas comme ça. Hein. Peut-être 85. Hop. Ah, mais c'est le miroir. C'est les rétros que j'ai pas réglés. J'essaye de bien les régler. Six virgule huit, allez, 6,8, ce sera 6,8 et 0,4. Et la FOV, au pire, moi j'aime bien me mettre un peu plus au-dessus. Et puis on est pas mal. Comment je peux bouger ça? Je peux le bouger ou pas? Je peux le bouger ou pas? Ah non, il faut que j'aille dans Race Lab. Standing Overlay. Voilà, je le débloque. Je le bouge moi-même. Je vais le mettre là-haut en vrai. Et je le rebloque. En vrai, je peux le mettre là-haut, hein. Même pour vous. Ah bah non, ça bifurque sur le rétro. C'était ça le truc chiant. Mais en vrai, le sponsor, je peux le mettre là, hein. Ça me paraît bien, non? C'est mieux que le jeu F1, ça. Oui, en termes de sensation, bien sûr. Excusez-moi, du coup, j'ai pas lu le chat, j'étais en train de régler tout. Mais c'est pas donné, ouais, voilà. C'est-à-dire qu'on paye un abonnement, genre c'est 11 euros par mois. Tu peux prendre des formules où ça revient. Alors attendez, par contre, je vais juste augmenter le force feedback parce que j'ai aucun feeling là. Oula, c'est un réglage de merde que j'ai fait. Ça va que je le connais un peu, ce circuit? Ah oui, c'est un vrai réglage de merde que j'ai là. Attendez, je vais essayer de régler mes. Je l'avais fait en super Formula. Voilà. Attends, je règle. Ah merde, ça commence déjà? Bon, on va y aller à l'aveugle, hein. Salut tout le monde, installez-vous. Alors je l'avais fait en super Formula, mais du coup les points de repère ça va pas être les mêmes. Peut-être que je freine plus tôt. Mais là il y a un truc qui cloche là dans mon volant. J'avais un feeling bizarre. Ah. Pardon du coup. Qu'est-ce que j'ai pas vu? Ça parle de ACC? Moi j'ai pas je suis pas rentré dans ACC en vrai.
Parce que e-racing, ça m'a semblé plus simple d'accès, même si c'est plus cher. Je veux dire, dans le choix des circuits et tout. Enfin, dans le choix des courses, etc. Tu lances en multi, tu trouves une course, basta. Sais, c'est vite torché, quoi. Le radar, il faut que je le débloque et que je le bouge. Ça aussi. Normalement, c'est bon. Allez, practice, let's go. Attends, je vais augmenter mon force feedback là, je le trouve mou. Ah, si, c'est un bon jeu avec un menu, une façon de proposer les courses qui te donne envie de jeter ton ordi par la fenêtre. Bah, le menu et tout, ouais, c'est un peu. C'est un mood quoi. Ah, elle tourne pas de ouf la F3. Ou c'est moi? Après, les pneus sont froids. Merci pour ton message. Pas de soucis, mec. Ah oui, on n'est pas en super Formule 1. Bon, on va essayer de faire une course propre aussi pour le safety rating. On va essayer de faire une course propre aussi pour le safety rating. E-racing setup. Je peux pas augmenter l'aileron avant. Front, left rear, break, ouais. Fuel level, on va le baisser de fou. On va le baisser de fou pour la qualif. Faudra penser à le remettre. Rappelez-moi pour l'essence après la qualif. Putain, mais comment on règle l'aileron avant? Rear. Left rear. Écoutez, en fait, je ne vais rien toucher. Je ne vais rien toucher. Je vais y aller au feeling. On est comment niveau essence? J'ai de quoi faire combien de tours? C'est écrit quelque part? J'ai de quoi faire 11 tours. Je suis beaucoup trop, je peux encore baisser. C'est 1 litre par tour! Ok, e-racing setup. Voilà, regardez-moi bien, je vais mettre 4 litres, bam. Dans aéro. Non mais je ne comprends pas ce que je lis. Salut, salut, installez-vous. On est en qualif de F3. C'est quel circuit? C'est Fuji. Bon, le premier tour en général sur e-racing, il est toujours pas bon parce que les pneus sont froids. Problème, c'est que la dernière fois que j'ai roulé ici, c'était en Super Formula. Du coup, mes points de repère ne sont pas du tout les bons. Parce que la Super Formula, bah, elle tourne mieux. C'est-à-dire que ça se passe à fond. Attends, je vais rebaisser mon force feedback. Voilà, un petit peu. Même ici, ça se passait en troisième, en Super Formula. Mais ça fait longtemps. Merci Talan pour le Prime! Merci beaucoup pour le Prime Talan. Je vous rappelle que ce mois-ci il me manque. C'est écrit en dessous de la chaîne. Normalement un sub égal. Alors je vous explique tout. En dessous de la chaîne c'est écrit que je suis à 60 points. Un truc comme ça et en fait il faut que j'atteigne 100 points sur le mois de juillet. C'est mon dernier mois pour valider la répartition 60-40. Donc 60% pour moi et 40% pour Twitch au lieu de 50-50. Et pour ça il faut des subs en dehors des Prime et des Gifts. Un sub tier 1 c'est 1 point, un sub tier 2 c'est 2 points, un sub tier 3 c'est 6 points. Si jamais. Donc je donne ça, je dis ça au cas où. Mais l'objectif c'est d'atteindre les 100 subs hors gift hors prime sur ce mois-ci histoire de valider et après je vous fais plus chier avec ça, c'est tranquille. Alors je vais freiner à combien? Ok, j'ai freiné à 100, écoute.
On va y aller au feeling. Hein. T'inquiète, non mais c'est pas une question de ça. Hein. Merci énormément pour le prime. Hein. T'en fais pas pour ça. Hein. Je vais être si lent. Je vais prendre en rythme durant la course, mais là je vais être si lent. Parce que les points de repère, je prends tellement de marge. Ok, ça va, j'ai rien perdu. Je me suis juste fait un peu mal au poignet sur ce virage. Je vais short shift un peu plus en fait. Parce que je pense qu'il faut pas que je prenne les mêmes rapports qu'avec une super Formula. C'est quoi 50-50, 60-40, 70-30? C'est la répartition entre moi et Twitch qu'on prend sur un sub. Alors je suis combien pour l'instant là? Je suis P8, c'est très mauvais. On va essayer de faire mieux. Voilà, j'ai pris un peu moins de marge. Une seconde d'avance, c'est pas mal sur le dernier chrono. Après, j'ai 3 secondes de retard sur la pole. Mon volant fait que de bouger, c'est un enfer. Oh, je suis très loin. Je suis très loin, mais on prendra en rythme durant la course. Combien? Combien? Là, j'étais P12. P5! C'est très bien vu dans le chat. Bien vu, Itri. Ah mais je suis loin, mais je suis loin, mais en rythme de course ça peut peut-être aller mieux, on peut prendre en rythme après. Mais là le truc chiant c'est que mon pédalier, enfin mon pédalier, mon support volant il bouge. Ah il faudrait que je retrouve le truc, ah bah il est là. Je vais le serrer un peu plus. Ah. T'as perdu 3e au dernier virage, ouais il y a moyen. Il y a fortement moyen. Ah. Je crois que c'est dans le bon sens hein. Ouais, c'est dans le bon sens. Ah, voilà, on l'a resserré un peu. Et on a combien de temps là? On a 1 minute 11. De quoi manger mon petit fromage blanc. J'ai vu la P12 quand t'arrivais sur la ligne, je me suis dit, ah, j'aurais pas dû parler. Non, en vrai, ça va. P5, hein. De toute façon, faut que je remonte mon rank en safety rating et en e-rating. C'est pas possible. Il y a une pub qui arrive, attention, je vous le dis. Oh, mais elle va arriver pendant le départ. Attendez, je la lance tout seul. Je la lance moi-même, je suis désolé. Comme ça, elle arrive pas pendant le départ. Je l'ai lancée maintenant. Parce que Twitch me prévient quand une pub va être lancée. Je l'ai lancée moi-même, je suis désolé. Hein. Vous m'entendez? Ceux qui ont plus de son. Ah, je l'ai lancé moi-même du coup. Hein. Parce que je crois qu'il allait lancer 1 minute 30 et Zirp. J'ai pas la pub, tu survis. Je vais essayer de faire durer le départ au maximum pour pas que vous y soyez en pleine pub.
Ah, je l'ai maintenant. C'est bientôt fini. De toute façon, c'est 2 minutes le départ. Voilà, c'est 2 minutes la grille. C'est bon. Parfait. Non, mais c'est bon. Timing parfait. Vous allez pas avoir de pub pour le départ. Je vais faire durer au moins jusqu'à la fin de la pub. L'essence. Personne m'a parlé de l'essence. Allez, non seulement j'ai cette pub, les gueux. Non, 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 on n'est pas là-dedans ici. Hein. Je te dis pardon tout de suite. Il y a combien de tours? 18? Je peux mettre 24 litres du coup. C'est quoi Gear Stack? Qu'est-ce que t'as fait là? T'as craqué ou quoi? Qu'est-ce que tu caches sous ton sourire? Merci T-Rox! Mais le son est faible ou c'est moi? Le son de l'alerte est plus faible qu'avant. Mais merci T-Rox pour le sub! Pour le sub offert à Red Frame, merci beaucoup! J'ai cru que c'était toi qui avais sub, c'est pour ça que j'ai un peu bugué. Bon, on part P5. Le but, c'est une course propre, sans crash. Pas faire nimp. Il y a le DRS ou pas? Les gars, est-ce qu'il y a le DRS en F3 Super Formula, machin? The estimated SOF is 1,254. Je crois que niveau essence, je suis parfait. Hein. Faut pas que j'utilise trop d'essence. Je suis tout pile à 19,5 et le jeu me dit 18. Je suis peut-être pas tout pile. J'ai pas le temps. Je rajoute 1 litre. Allez, allez. Allez. Ok, j'ai rajouté 1 litre. C'est bon. Allez, vamos. Mais l'aspi est bien mieux qu'en F4. Ok, y'a pas de DRS, mais l'aspi est bien, vas-y. Viens Valo, putain, j'ai hésité à lancer Valorant ce soir. Hein. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on n'a pas roulé en sur e-racing. Green, green, green. Pitié, pas de crash tout de suite. Les pneus sont froids, attention. Car right. Stay on the left. Still there, hold your line. Still there, hold your line. Clear. Ok, il a eu peur. On a pris une position, let's go. Les pneus sont encore froids sur ce tour. On reste dans l'aspiration. Je crois que j'ai pas les bonnes trages. Car on your left. Clear on the left. Right side. Still there, hold your line. Oh, il a tenté un. Pourquoi il a fait ça? Il aurait pu juste prendre de l'élan pour me doubler sur la ligne droite. Et il a voulu aller à l'intérieur ici. C'est bête. You're in fourth position. Ah, j'ai fait un bon freinage là, allez. On va essayer de tenir le peloton des mecs de devant. On reste collé, on est pas mal. Le podium est devant nous. Ah putain, il n'y a pas eu de prédit, c'est vrai.
Ah, je suis mauvais sur ce secteur-là. Mais ils ont rajouté des boudins ici, je crois. Hein. Oui, oui, ça c'est des bugs de co, la voiture qui saute comme ça. Vous inquiétez pas. Attends, je vais essayer de changer ma brake balance. Mais j'ai peur de bloquer. Alors cette partie-là, je la maîtrise mieux que le mec de devant. Mais le dernier secteur, j'ai du mal. Donc limite, ça se trouve, faudrait que je le passe avant le dernier secteur. Par contre, les deux premiers sont nettement plus rapides. Enfin, peut-être que je tape pas les vibreurs ici. Ça donne quoi les différences de sensations e-racing F1? Ah mais ça n'a rien à voir. F1 c'est limite, c'est un jeu semi-arcade. Hein. F1 c'est de l'arcade les gars. E-racing c'est du full simu réaliste. Ouais, je vais essayer, Utri, je vais essayer. Ah là, j'ai bien tapé dans les pneus. Non, mais le premier secteur, je suis plus rapide que le mec devant. Je pense qu'il faut que je le double avant la fin du secteur 3. Ah, je suis trop loin pour dive. Faut pas que je touche les vibreurs, je pense, ici. Ah là j'ai pris plus large, comme ça Itri. Ça m'a l'air mieux, maintenant j'ai l'aspiration. Moi je prends les infos. Hein. Ah, devant par contre ils sont loin, 3 secondes et 5 secondes là. Zéro off track. Est-ce que l'aspiration sera assez puissante? Clear on the left. Ah, on l'a surpris. On l'a surpris sur les freins. Maintenant faut qu'on réussisse un dernier virage comme on a fait le tour d'avant.
Et on n'a pas réussi à le refaire. Et j'en ai trop fait. Ça va, on n'est pas si loin. J'ai tout ruiné. Ça va, je vais les perdre dans le secteur 3, les 1 seconde. Tout ça pour ça, ouais. Allez, c'est bon. Allez, je peux rattraper, ils vont se battre devant. Je peux rattraper mon erreur. Tout ça pour ça, je suis désolé. Je me suis emballé, je me suis pas appliqué. Oh là là, en plus. Oh merci de vous battre ici. Merci de vous battre ici, les gars. Merci beaucoup. En plus, ils vont se réattaquer. Franchement, je suis très bien placé là. Je suis très très bien placé pour ça. Quoi est sous volante? Et au Fanatec CSL DD, c'est déjà égal. Quelle pétition? Ah, pour l'ingé. Ah ouais, t'es allé loin dans la vanne. Faut que je baisse le retour de force, j'ai mal au doigt. Mal au pouce surtout. Merci le Blue Flag. Mais la Racing Point, elle a l'air de s'envoler, hein. Car on your left. Clear. J'ai un peu perdu l'arrière. Mais tout va bien. Je peux remonter. Voilà, faut que je chope les bonnes habitudes. C'est-à-dire que souvent, ma mauvaise habitude à moi, c'est que je plonge à la corde trop tôt. C'est un truc que je fais souvent. Je plonge à la corde beaucoup trop tôt. Et en général, quand je rectifie ça, je gagne du temps. Mais faut que je pense à le faire. Oh, mais il a plus de pneus ou quoi, lui? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, hop, on a pris plus large que lui. Oh là 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 là, la vitesse que j'ai emmenée là. Car on your left. Oh! Still there, the car in P2.
1, just set the faster flat. 33.572. Oh yeah, seeing Fuji. Still there, you're back in fourth position. Ah, il est encore là. Clear. Allez. Prochaine étape. La Racing Point. La Racing Point devant. Voilà, j'ai du capital pneu, les gars. J'en ai. Je remonte dessus. Je veux ce podium. Voilà, je prends plus d'élan que lui. Comme l'autre avant. On le maîtrise ce dernier virage. On y va. Full aspi. Car on your left. That was your fastest lap of the session. Still there. Still there. Clear. On est bien, t'as enfin compris l'exit, ouais de fou. Ça a pris du temps mais on l'a, même ici je peux passer beaucoup plus rapidement. J'ai relâché pour pas prendre de péna. 4 off-track c'est pas mal, ce serait bien de s'arrêter là. Allez maintenant faut pas faire d'erreur hein. Parce que j'arrive à bien suivre quand je suis l'attaquant, quand je suis derrière. Mais une fois que je suis devant je fais des boulettes. Donc là, on fait un pilotage propre. Je prends des trajets plus larges. Ah, beaucoup plus d'élan. C'est une folie comment tu fais une tarte, un setup, ouais. Tu vas où, à l'intérieur ou à l'exté? Ok, va à l'exté. Ça me va. Je vais la maintenir, cette P3, je vais la maintenir, mec. Voilà, on a de l'élan, on a de l'élan. Ok, on touche pas la corde, mais on a de l'élan. L'important, c'est de se créer des lignes droites. Left side, pick up the course. You've got to slow down and give up that time. Clear on the left. C'était ça ou les boudins. Il reste 8 tours, il reste 8 tours. The car in P1, just set the fastest lap. 33.342. Car on your left, stay on the right. Allez. Still allez, there. J'ai plus d'élan. Still there.
clear. Non. Car right. Non. Vraiment? Oh, le bug. Still there. Hold J'y vais, je m'en fous. Clear. Ah, t'as pas osé, hein? T'as pas osé, regarde qui arrive pour te doubler. Notre copain de tout à l'heure, oh, la bataille à 3, elle est phénoménale. Ah oui, battez-vous, je suis à 8 dixièmes devant. On continue comme ça. Pour l'instant, on est en P3 toujours. Oh là là, ah j'ai sous-viré. J'ai pas bien regardé la corde. Ça va, j'ai de l'élan, il va pas me rattraper. J'ai encore de l'élan. C'est pas grave ça. Combien d'off-track? Cinq sur vingt-cinq. On est au podium, ok, on le garde le podium. On veut le garder ce podium. Ah, il a touché les boudins, il a pas d'élan. On va pouvoir le mettre en dehors de l'aspi. Le prochain tour, faut qu'on lui mette une seconde. Là, il est à une seconde de nous, le prochain tour, il faut que je le mette en dehors total. You're pulling away from the car behind. The gap is 1.1 seconds. Mais je suis un fou d'ailleurs, vous savez pas, genre de la dinguerie. J'ai fait mon planning que je vais devoir modifier en live. Demain je vous le posterai. Je suis trop con, je vous ai mis la carrière Lewis Hamilton jeudi soir. Alors que jeudi soir il y a en cuisine avec Zerator, donc je suis pas là. Donc je suis complètement zinzin, je dois modifier le planning que j'ai fait. J'avais complètement zappé. Je bosse, tout simplement. Je participe pas. Leak. Mais non, ça a été annoncé. Enfin, c'est mon taf, quoi. Genre, si vous voulez, je bosse pas en tant... Enfin, je suis pas en tant que Pierre-Jacques, quoi. Je suis en tant que moi-même. Comme d'hab. Oh, faut que j'ouvre la porte, il fait chaud. Il n'y a pas de pause ici où l'IA prend le relais. Ah, dommage. Oh. Coucou Pierre-Jean, elle a pas l'air trop mal cette course. Eh, franchement, ça se passe bien. Hein. Si on peut valider un petit podium, ça ferait du bien.
Oh le vibreur. En gros oui, Tri. C'est du fixe, non, c'est du avec setup. On a juste pris le setup e-racing direct. Ça va, je lui ai mis une bonne marge au mec de derrière. J'ai de quoi respirer. Oh, j'ai failli taper le boudin. On respire, mais doucement quand même. Si, si, c'est ça, Etri. Ça va faire 5 ans. Le deuxième il est à 15 secondes, il nous fume. On respire mais on gâche pas tout. Ouais. On essaye. Voilà, tout doux, tranquillement. Ah d'ailleurs je suis passé, je vous le dis là, mais les jeudis maintenant il y aura sûrement une nouvelle ligue qu'on va faire en plus de la Creator Series de samedi. J'ai fait en sorte d'utiliser ma nationalité portugaise pour rejoindre une ligue ibérique où Infratic roule, El Rey roule et pas mal de créateurs de contenu espagnol, Amérique du Sud roule. Du coup j'y suis allé en disant que je suis portugais et du coup je représente le Portugal sur cette ligue pour l'instant en pilote réserve, mais prochaine saison peut-être en pilote titulaire. T'es sadomaso toi, non? Non mais voilà, ça nous fait une ligue en plus le jeudi. Après je pense que c'est plus propre parce que si vous voulez, j'ai lu le règlement. La Ligue d'El Rey. C'est exactement ça. Mais j'ai lu le règlement et apparemment, le moindre contact, c'est 5 secondes de péna. Donc peut-être que c'est propre, les gars. T'as trop d'espoir. Moi, j'ai confiance. Et au pire, ça nous fait une ligue en plus à faire. Au final, c'est un format Battle Royale. Non, mais il y a moyen de... d'avoir une deuxième course de ligue qui peut être sympa à faire en stream, non? En vrai. C'est un drapeau bleu qui s'écrase devant. Attends, là j'y vais tranquille, j'avoue, mais derrière ça me rattrape un peu quand même. A mon avis, il doit y avoir des passes droits pour certains. Ouais, peut-être. On verra. Ouh là là, la corde. Tu vas devoir stream en portugais. Non, je stream quand même en français. Mais de toute façon, j'ai un petit niveau de portugais et d'espagnol pas dégueu quoi.
Ah merde, mais ils sont là. Ah non, non, c'est mon podium hein. Ah, je le lâcherai pas mon ref hein. Regarde bien. Si je me concentre, je peux rester en P3 hein. Là, c'est juste que je relâchais le rythme mon ref hein. Ah non, non, non. The leader just did a 34.429. J'ai plus de fromage blanc. Il a l'aspi. C'est pas le dernier tour de toute façon. You've got about 2 laps of fuel. On maîtrise, on maîtrise. Il y en a un derrière, je l'ai vu, il a bloqué les roues, il est parti tout droit. Hein. Non mais regarde, je peux me remettre du rythme si je veux. Je maîtrise. Je maîtrise mon rythme. Après ça va être le dernier tour, non? Car right. Je l'ai vu dive, j'ai eu peur. Heureusement que j'ai pas tourné dessus. Mais il va tenter une dinguerie, c'est sûr. Voilà, on prend plus large. Ah oui, je vais bloquer l'inté direct. Hein. White flag. One more lap to go. Ok. Car on your left. Keep to the right. Still there. You have about one lap of fuel left. Clear. Tiens, je t'envoie un drapeau bleu dans la gueule. Allez là, c'est le tour d'attaque. J'avais de la marge ici. You got a slow car on the left. Oh putain, le drapeau bleu de ouf. Go right. Ouh. Il est dangereux lui hein. Comment ça j'ai eu un... J'ai eu un off-track là. Non mais les drapeaux bleus, ils ont décidé de saboter la course à la fin, tu sais. On sait jamais. Et c'est bon. Fuel alerte, comment ça? Non, normalement c'est bon, j'ai mis tout pilacé. Oh, il me restait 0,2 d'essence. Oh, j'ai parfaitement timé l'essence hein. Oh. Attendez. All right, there's chicken flag. J'ai plus d'essence. J'ai plus d'essence. Regardez. Great job. You did really well. Attendez, combien je peux faire de mètres encore avant d'être en panne d'essence? Ça y est, j'ai plus d'essence. Ah ouais, on était... Waouh. Ah mais si j'avais su, j'aurais un peu plus lift and coast. Hein. Oh. Oh, c'était beau. Ah, oh, on a eu de la belle bataille. Oh, attendez, laissez-moi voir ça quand même. Laissez-nous voir ça quand même. Une belle P3, hein. Solide. Là, on partait P5. Ah, j'ai pris large pour vraiment esquiver. Au moins, on n'a pas eu de car contact. Ok, on a fait 5-6 off-track, c'est pas si grave sur... T'avais pas du tout de marge, du tout. Si j'avais su, j'aurais lift and coast de fou.
Wouah, derrière il fait peur. Mais on a pris un rythme au fur et à mesure de la course en vrai. Attendez, je vais rajouter un peu plus de. Je pense que c'est pas bon de boire ça maintenant. Mais si je le dilue, ça ira. Par contre, je pensais que tu aurais pris un slowdown sur ta dernière heure. Je pensais aussi, mais en vrai, les slowdowns m'ont pas trop handicapé vu que je suis tellement plus lent que ce que le jeu estime normalement d'un rythme rapide que je roulais normalement et le slowdown passait quoi. Voilà, là je crois qu'il tente une dinguerie. Alors, il tente une dinguerie. Il a pas d'élan pour la ligne droite, mais par contre il sait piloter. Parce qu'il aurait très bien pu me foutre dehors là-dessus. Il a bien jaugé. Zéro utilité. Ah, zéro utilité, mais au moins il a bien jaugé pour le coup. Il n'y a pas un raccourci clavier pour voir les batailles. Je crois qu'à un moment je lui fais un beau freinage. Là je galère un peu. Là je me rapproche. Je galère encore sur le dernier virage. Et puis après au fur et à mesure des tours, je commence à capter qu'il y a certains virages où je peux aller plus vite. Est-ce que là j'ai... Oh, aucune idée Scream. Pour le coup, aucune idée. Hein. Sans payer les voitures, etc. Oui, Sinox, t'as quelques voitures qui sont voitures et circuits qui sont gratuits. C'est pas, tu peux pas jouer au à ceux que tu veux, mais t'en as certains qui sont gratuits. Donc oui, tu peux. Hop. Je crois que c'est là. Je crois que c'est là où je porte un peu mes couilles. Je crois que je le fais en big ball celui-là. Bon franchement il est passé tranquille hein. Il freine très très tôt le mec devant. Franchement ça s'est bien passé. Même après pour défendre Ah oui là je spin. Bah en vrai malgré un spin on a quand même validé une P3. Et ça c'est beau. Parce qu'après, est-ce qu'on se rapproche? Ça, c'est le drapeau bleu. On se re-rapproche de lui, mais après, c'est juste sur les lignes droites qu'on gère. Ah oui, il y avait lui à rattraper. J'avais vraiment bien plus d'élan à chaque fois. J'ai tellement de marge en vrai sur le côté, mais. Waouh! Ah oui, j'ai freiné à 75 mètres, je suis un fou. Et je crois qu'il me repasse plus une fois que je l'ai doublé. Si, il me redouble. Tikitaka, beau, wesh, Pirja. Boesh ou Boas. On maintient. Hein. Chaque tour, on l'a maintenu, hein, le gars. Chaque tour, on le maintient, non? Ah oui, là, il attend. Là, il m'a bien décroisé, en vrai. Mais il a pas osé faire la manœuvre jusqu'au bout. Bon, il buguait un peu parce que là il disparaît, il réapparaît, non? Ouais, voilà, il réapparaît. Là, tu vois, il l'a pas tenté jusqu'au bout. Je passais beaucoup plus vite que lui ici. Oh, même le gars derrière passe. Oh oui! Tout le monde passait plus vite que lui. Ah,
Ah oui, ça voyait large quand même, hein. Ça voyait large, ça voyait large. Sympa pour une première course, ça nous remet un peu dans le bain. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant sur iRacing? Qu'est-ce qu'on peut avoir? Attendez, je le trouve beaucoup trop gros, le publicité Allscan ici. Et je sais jamais où le foutre. Je pense qu'on va le foutre dans un coin avec vous, le chat, hein. Souvent, il n'y a rien en dessous ou en bas. En bas, voilà. Qu'est-ce qu'on a du coup? Dans 7 minutes, il y a la Formula C cette fois-ci. Bah, c'est la même, toujours à Fourji. Sinon, il y a la F4. Oh, flemme. Qu'est-ce qu'on a sinon en dehors des Formula Car? IndyCar. Jure, il y a de l'IndyCar sur le circuit Gilles Villeneuve. Ah, mais il n'y a pas de course. Dommage. Il y a quoi en ranked là? Y a quoi en ovale? Ah, mais faut que je paye. J'ai encore jamais testé la pluie, hein. Genre, est-ce que là on a l'info sur la météo? Il pleut? Rain possible. Ah, on peut le retenter, j'ai jamais roulé sous la pluie. On peut le refaire. Bruges Pirja, type Bruges to Dubaï. NASCAR MDR. Tu sais que NASCAR, on l'a déjà fait et c'était vachement sympa. Y a pas de GT, je suis nul en GT. Fais de l'Indy, s'il te plaît. Là, y a pas de course d'Indy. Fais la F1 en gris, je veux rigoler un peu. Bah, s'il y a, je veux bien, mais il n'y a pas. Hungaroring. Ça, il y aura que le jour du. Que le. Quand le week-end de F1 commence, on peut. Je crois. Bonsoir, Marie. Prédit. On se refait une prédit? Là, on est quoi? Là, on a pris combien? Ah, mon e-rating est tellement bas. Oh, mon e-rating est tellement bas. Non, on va le retenter, hein. On va retenter Fuji. On va voir s'il y a de la pluie. Ça se trouve, il y aura plus de batailles. Fais un test drive avec la F1. J'ai déjà roulé en F1 en vrai. Ça c'était bien. En fait, le problème de la F1 là en classe C, et même de la F1 de manière générale, c'est qu'ils te mettent le circuit en entier sur e-racing. Sauf qu'il y a des. Ah, en tout cas, à mon Elo, il y a des giga écarts de niveau. Y a hydro ou pas? Comment ça? Comment ça? Rapport à quoi? Qui joue avec toi? Ah, on est encore là-dessus. Les gars, Hydro, on n'est pas McFly et Carlito. Les best-of 100%. Imola, Monaco, Canada, Autriche. Grande Bretagne sort bientôt. De quoi moi chez moi? Alors j'ai fait le Imola, mais c'était sur F23. Canada, je l'ai de côté, mais je l'ai pas vraiment fait en best-of parce que j'ai pas les thunes. Je les fais pas tous en plus. Espagne, je l'ai pas fait. Autriche, je l'ai pas fait. Grande-Bretagne, je l'ai pas fait. Le dernier que j'ai fait, c'est Canada hier. Et Canada, je voulais essayer de le monter moi-même, mais j'ai pas trouvé le temps. Bon, tranquille, tranquille. Ah, là, c'est en setup fixe. Ah, ça va être différent. Oh, la voiture, elle va pas tourner.
Hongrie, j'ai pas regardé le live, c'était bien hier. Bah Pierre, j'ai replay mec. Point d'exclamation replay. J'ai déjà posté la VOD si tu veux. Il y a moyen qu'il n'y ait pas de pluie, il y avait marqué risque de pluie. Si, il y a la pluie. Ah, oh, si, il y a la pluie en plein milieu. Ah, mais il pleut là! Mais on est avec. Mais je suis avec des slicks là, on est d'accord? Attends. Qui roule là? Ah ouais! Chef, chef! Wet! Moi je mets les pneus pluie là, on va voir. Hein. Ah bah oui, les gars, vous sortez avec des pneus slick. Bon, on va tester. Du coup, je teste pour la première fois la pluie sur e-racing. Mais là, normalement, j'ai des pneus pluie. Hein. Voilà, c'est mieux quand même. Ça va quand même être un peu plus sympa. Hein. Ça va rester un peu compliqué quand même. J'ai jamais roulé sous la pluie sur e-racing. Attendez, parce qu'en fait c'est perturbant parce qu'on voit pas vraiment l'eau. Ouah, le vibreur, comment il glisse! Ah ouais, c'est un mood quand même. Alors après, les pneus sont froids aussi. Ok, c'est bon les gars. Laissez-moi prendre mes marques, j'ai jamais roulé sous la pluie. Slow car ahead. Ah ouais, il faut freiner bien plus tôt. Effectivement, c'est mortel. Ne touchons pas les viewers du coup. Tu me fais quoi là? Je découvre! Ah ouais, il pleut bien là. Oh, ça va être calamiteux. Hein. On apprend. La session commence alors qu'il pleut. Oh là 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 là. Attendez, laissez-moi prendre mes repères. Au lieu de freiner à 100 mètres, je vais freiner à 150. On va faire ça comme point de repère sous la pluie. Pareil, là au lieu de 50, je vais faire 75. Oh le vibreur. Ça allait là, non? Change la brake balance, non? Je l'ai changé. J'ai l'impression que t'as toujours l'arrière qui part. Frérot, je vais être sur un style de pilotage agressif. Je vais me battre avec la voiture, mais je vais aller vite sous la pluie. Préparez-vous, je vais être le Lance Stroll du serveur. On sait pas d'où je vais sortir. Et je vais me battre avec la voiture en fait. Je pense que c'est ça. Faut que je me batte plus avec la voiture. Regardez. Checkez bien. En mode t'as choisi le style de pilotage. Ouais, t'inquiète, c'est dans mes caractéristiques. Regardez bien. Il pleut là. Hein. Il pleut ou pas?
Il pleut plus? Regarde dans le menu weather pour voir exactement la prévision. Vas-y. Il est où le menu weather? Ah, il est là. Current condition. Mostly cloudy. 22 degrés, track 24. Track is dry. Ah bah si track is dry, track is dry les gars. Light fog, il va pas pleuvoir, c'est du sec. Tout ça pour ça. Hein. Track is dry les gars. Putain, j'espérais rouler sous la pluie, j'avoue. J'espérais vraiment avoir une belle bataille sous la pluie. J'avais cet espoir en moi. Alors que finalement je me retrouve sur setup sec. En setup fixe. Avec pas les mêmes repères. Ah ça peut. Ça va être un mood bizarre. C'est pas drôle, ouais, on espérait tous un peu de... On espérait tous un peu de bataille, quoi, finalement. Enfin, un peu de suspense. Là, je suis quoi? D'après le lobby, je suis censé finir 19ème. Ça veut dire que je suis dans un lobby avec un gros, gros niveau, quand même. Hop. Vous êtes prêts? Attends, j'ai pas regardé la weather. Track is dry. On est encore sur une track dry. Il est 5h12. 5h12, c'est du sec. C'est du sec, je vois pas de risque de précipitation. Voilà. Rien à signaler de mon côté, j'ai envie de vous dire. Bon, allez! On va faire un premier tour tranquille, Pépouze. Et un deuxième, ce sera le tour d'une vie. La dernière fois, j'ai fini P5 en qualif. Là, je vise une P7, P8. À setup fixe, ça risque de pas tourner, hein, ça c'est dit. Le setup fixe, il va pas bien tourner, ça. On peut en être assuré. J'ai réduit un peu mon force feedback parce que j'ai mal aux mains à force. On peut rouler solo sur e-racing. Ouais, je crois, tu peux faire du time attack. Hein. Allez, premier tour, let's go. On va voir par rapport à mon tour de la session d'avant quand j'avais un setup. On va pouvoir comparer. Ok, c'est pas grave, c'est un off-track, ça compte pas. C'est pas grave. Ok, ça tourne pas. Ok, bon, ça ne tourne pas en setup fixe, on va revoir nos points de repère de la course d'avant. Ça souffre de zinzin. Oui, Lohan, je suis content de celle multiverse, j'ai rien compris.
Allez, là maintenant, on lance le tour. Oh, l'élan de merde. Mais elle pivote pas en fait, la voiture. Elle pivote pas. Vas-y, je change les freins. Je vais mettre plus de freins à l'avant. Voilà, là c'est mieux. Putain, j'ai été obligé de rétrograder parce que ça tourne pas. Il y a rien à l'avant. Ah, elle pivote pas, elle s'ouvre de zinzin. Quand tu compares avant. Voilà. Là j'avais de l'élan. Alors on finit combien là de cette qualif? Ouais, on finit P3 exactement, bah oui. On finit P3 à 3 dixièmes. Bon. Est-ce qu'on n'irait pas chercher une win là sur cette course? Est-ce qu'on n'irait pas jouer la win là, si on chope 3 dixièmes sur un tour moyen? Allez, je vous mets une prédit. C'est cadeau, c'est pour moi, je vous mets une prédit. Commencez une prédiction. Hop. Là, c'est victoire ou non. Vous avez 2 minutes. Et moi, je vais faire pipi pendant ce temps. J'arrive. Ça donne quoi du coup l'après-dit? Oh là 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 là. Alors la grille, d'abord la météo, on vérifie quand même au cas où. C'est du sec. Le garage, on n'a rien à changer. On peut directement partir. Je crois en toi, Pierja. Merci les gars. The estimated SOF is 1,366.
compte bien aller chercher la win là. On fait attention au départ, les pneus sont froids. Et on n'oublie pas la course est longue. Même si j'ai très très envie de tenter un giga freinage dès le start. J'ai mis beaucoup de points, mais les fais pas perdre. Je vais comporter des risques à mon ref. Vous êtes prêts? T'as déjà essayé GT7? Non. On se parle au moteur. Allez, let's go. Green, green, green. Wow, les départs de fou qu'il a fait derrière. Right side. Clear on the right. Car right. The next car's the leader. Go left. Still there. Clear on the right. Ça spin derrière, ça spin derrière. Ok, let's go. Ok, let's go. On va chercher le leader. On joue la win. Les pneus sont encore froids, faut faire attention. Ah, il a l'air rapide. C'est sur ce secteur là qu'il va faire toute la diff. La course est longue. Et les pneus sont bien froids. La spi peut peut-être fonctionner d'ici. En tout cas, elle fonctionne bien derrière moi, si jamais. S'il te plaît, me dive pas ici. S'il te plaît, s'il te plaît. Non, mon ref. Car on. Car on your left. Clear. Car on your left. Clear on the left. Oh, merci. Où est ma touche pour parler? Ça, c'était mon pit limiteur. What the fuck was that? Je crois que c'était ça ma touche, attendez. What was that? Ah putain, j'ai plus de deux touches. Il a failli me fumer. Mais je l'ai senti venir, tu sais, j'ai un peu écarté. Allez, vas-y, j'attaque, c'est bon. Faut aller chercher le premier. If you're no longer for a gap, j'ai plus la citation. Ah, j'ai oublié d'ouvrir la porte, je meurs de chaud. If you're no longer for a gap that exists, you're not longer a racing driver. Exactly, dude. Exactly, that's what I want to say. So watch me, 2 secondes. 2 secondes à aller chercher sur le mec de devant. Regardez-moi bien.
Déjà 3 dixièmes. Cinq dixièmes. Ok, j'ai reperdu un peu, j'ai pas assez d'élan, mais je remonte un peu. 4 dixièmes sur ce tour au pire. À peu près. Faut que je continue sur le prochain tour. J'ai eu le meilleur tour, ok, je lui mets une pression déjà. Ah, j'ai été chercher la corde trop tôt. Push, je push, je push, je push. Ça de, petit à petit ça devrait le faire. Ah mais je suis à fond par contre, donc non. C'est à dire que là mes tours c'est des tours d'attaque, donc je risque de faire une erreur. Voilà, là j'ai un meilleur élan. Une seconde 7, une seconde 8, ok. J'ai encore le meilleur tour, ok, ok, ok. Ah non, j'ai amélioré mon tour. Oh non, me gêne pas, par pitié. Ah, le setup fixe, c'est un mood. Hein. Ah, il maintient le même rythme. Hein. On est vraiment dans les mêmes chronos. Hein. Une 34-76, une 34-80. Ah, j'ai pas pris un bon élan. Il pousse autant de toi, il peut aussi faire une erreur. Ça se trouve, il pousse pas. Hein. Ça se trouve, il maîtrise son rythme là. Et c'est moi qui suis en full attaque et en dehors de mes limites. Hein. Dernier tour, une 34-87 et moi une 34-123. Oh, les écarts de zinzin. J'ai loupé la corde, c'est pas grave.
Une seconde 6 toujours. Là c'est vraiment une bataille à distance. Hein. Slow down. You got a penalty for cutting the core. Et c'est moi qui ai fait l'erreur. J'espère surtout que j'ai pas de dégâts. Ah, et c'est moi qui l'ai fait l'erreur. Ah, fait chier. J'ai perdu 7 dixièmes sur ce. Sur cette erreur. J'ai changé ma balance des freins pour. Mettre plus de poids sur l'avant quand je freine. On va voir si ça sert à quelque chose. J'arrive plus ce virage. Je la joue pas la win. Hein. Ça y est, hein, j'arrive plus. Comment t'as fait pour les overlays? C'est Race Lab. Il tourne en 1.33.8, ok. Je vais le faire, je vais le faire, je vais y arriver. The car in P3, just set the fastest lap. 33.796. Faut que j'aille choper 2 dixièmes là sur les chronos. Je peux encore le faire, je peux encore le faire. Bon, il reste 5 tours, mais je peux encore le faire. Il peut faire une erreur. Faudrait que j'arrive à aligner les gigatours pour lui mettre une pression pour qu'il fasse une erreur. Désolé. Désolé le FC, oui. Ah, j'ai fait de mon mieux. Hein. Je suis désolé. Ah vraiment, je m'en veux. J'ai le seum. J'étais pas mal au début, puis je pense quand... En fait, je pense que j'ai les bons points de repère. Et quand la voiture commence à avoir de l'usure ou de la surchauffe, j'y arrive plus. Et c'est pareil, genre sur F1, sur F1 24 ou 23, tu vois, ça a toujours été à peu près pareil. C'est que dès que la voiture elle commence à avoir de l'usure, je veux faire comme avant. Il est en 1.33.7 le meilleur tour.
Ah, faut que j'arrête, faut que j'arrête, faut que j'arrête de la passer cette putain de quatrième vitesse ici. Mais qu'est-ce que je branle? Mais qu'est... La brake balance. Mais non, parce que là je freine pas en fait, là c'est juste moi. Enfin je freine pas, je freine un petit peu tu vois, mais... La brake balance, ah j'aurais peut-être dû mettre 54 sur le secteur 1 et 55 sur le secteur 3. C'est peut-être ça le souci. Ouais c'est peut-être ça. Adieu le FC Wii. Oh, bah le FC Wii c'était déjà fini. Oh les pneus sont morts du coup. Mais ta soeur, j'ai déjà perdu 40. J'ai déjà perdu 40 secondes, tu me mets une seconde pour un cut comme ça, comme si ça changeait quelque chose. Les pneus arrière, je les ai brûlés là. Genre je le sens, il glisse là, il meurt. Ah j'ai le seum, elle est horrible cette course. En fait, faut que j'arrête d'essayer de passer en quatrième ici. Parce que c'est le rétrogradage 4ème, 3ème qui me fait perdre l'arrière. Et je l'ai fait deux fois et les deux fois c'est un spin. Tu étais l'élu, je sais les gars. Je sais, on n'aura pas la win. On a tout gâché. On avait une belle bataille à distance et on n'aura rien. À part le déshonneur. Et c'est au moment où j'ai plus rien à jouer que je fais des tours de ouf. Faut vraiment que j'apprenne à jouer sans être crispé. Hein. C'est un truc de fou ça aussi. Je suis là à vouloir trop en faire, je suis crispé de ouf. Ah oui, toujours plus les zigzags devant. Ah ça, ça peut être report ça. Hein. Vous le voyez devant comment il zigzag? Je vous jure que si je le rattrape, moi je le passe. Moi il peut zigzaguer autant qu'il veut. Ah bah voilà, le gars l'a passé au final. On va voir si ça va me stopper. Pas peur. Pas peur de lui, moi.
Allez, venez là, les deux loustiques. Allez, venez là, les deux loustiques, là, les deux loubars. Les deux loubars qui font nimp. Mon but, c'est de passer les deux devant. Juste pour l'ego. Genre là, ce serait quand un tour, je les récupère alors qu'ils sont à 1 seconde 5. Bon, bah, on en a eu un. Et on en a eu deux. Solide. On n'a pas flanché, on n'a pas eu peur, on n'a pas freiné. En fait, que voulez-vous que je fasse là? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse quand le mec décide de me tourner dessus? Non, mais on peut applaudir, on applaudit tous. Ah, on applaudit. Non, mais attends, je vais aller retrouver vite fait ma touche là pour parler dans le chat. Ou peut-être que juste j'ai pas le bon. Ah, le micro était pas co. Good job, dude. Good job. That was really smart. On réadmire quand même ce move. Alors je bouge un peu vers lui. Est-ce qu'il n'y a pas un netcode qui l'emmène sur moi du coup? Il est où? Je sais pas qui c'était. Il a quand même fini la course lui? Non. Non, il a fini la course, je vais hurler. Vu cockpit, est-ce qu'il tourne? Ah, en fait, il fait une... Là, sa micro-correction de volant, qui est pas nécessaire, fait que ça l'emmène sur moi. Et genre, il a pu finir la course. Et là, il passe sur mon cadavre, genre c'est normal. D'accord. Definitely just as much your fault. Bah, no, dude. Let's watch again. In his side, he did this. Unnecessary. When I was here. So I was here, he go. But I go on the right too, but. Attends. You move over as well.
A little bit, but in this moment. Non. You don't already touch me. At this moment, my will is on the left. I don't remember his name. Ah. And his will. Okay, his will is straight, but straight to the left. I guess it's probably 60, 40 EM to be honest. I think the same. 60 or 70. But he go on the left anyway. Even if his wheel is on the is straight. His car go on the left anyway. And he has so much space on the right too. Après, t'aurais pu freiner un peu, non? Mais frérot, dans ce cas, on roule pas, quoi. T'es en bataille sur le dernier tour pour franchir, pour gagner une position. Je vais grave freiner dans cette situation, genre. Genre, en fait, là, je me rends compte que ma voiture s'emmène vers lui, mais je rectifie rapidement. Mais lui, il s'en bat les couilles. Ouais, je sais pas. Enfin bref, c'est pas si grave. Y'a pire. T'étais pas dans son angle mort. Y'a pas d'angle mort là, il a le rétro. Il a le rétro et en vrai, j'étais déjà à hauteur. Genre son spotter, il lui dit qu'il y a quelqu'un à sa gauche. C'est juste qu'en général, t'as une petite marge d'erreur entre le moment où. On peut avoir une course sous la pluie ou pas? Je voudrais une course sous la pluie en fait. J'avoue qu'une petite course sous la pluie. NASCAR. C'est une dinguerie de s'envoler comme ça. J'avoue que là. Il n'y a eu vraiment aucune peine. NASCAR, NASCAR. Ah! Ok. Ah! Vas-y, let's go! Let's go, let's go! Une petite NASCAR. Oh, j'ai ouvert la porte parce qu'il fait chaud! Oh, il fait chaud de zinzin! Attendez, je mets un peu de musique quand même. Il a prédit. C'est vrai que il y a une prédit pour la FC non de gagner. Oh la vache, le volant Mercedes, j'avoue! En même temps, c'est le prix d'un volant. Hein. C'est le prix d'un volant. Comment vont les hosties? Comment il va Yavin? Vas-y, let's go, on va se faire une petite NASCAR là. Ça va faire du bien. Bah d'habitude je te suis uniquement sur le réseau YouTube, bah franchement en live c'est vraiment pas mal. Bah merci mec. Comme d'hab vous remarquez ce genre de message, je les lis instantanément. Bizarre. Allez mettez-moi un peu de NASCAR. Life is... Maintenant j'ai une chaîne replay, je peux plus mettre la musique. Ah si mais là je suis en live sur TikTok donc il n'y a pas la piste 6. Donc là si je mets une musique le problème c'est que... Mais j'ai vu un message, genre tu parles mieux. Il y a un mec qui m'a dit tu parles principalement anglais ou français, tu sais, en mode le juste avant quand je parlais anglais, j'étais tu sais mon accent était parfait et tout. C'est hyper gentil hein. Y a rien, y a rien, y a rien.
Y'a rien. Nothing. Nothing, nothing. Nothing, everything is good. Ah! There is something. Allez. Ça bug. Comment ça, ça bug? Non, ça bug pas. Ah, il fait. Putain, mais c'est. Ah oui, mais c'est vrai que. En vrai, t'as du vocabulaire donc je savais pas. En vrai, ça va, je me débrouille en anglais, mais j'ai pas un anglais incroyable. Après, mon anglais est meilleur que mon portugais, va savoir. Pourquoi? Faut que les pneus chauffent en fait. Laissez-moi masteriser ce circuit d'ovale. Regardez-moi ça, je vais le maîtriser. Inside, clear inside. Slow car ahead. Slow car down low, car stop down low, go high. Hop! Car inside, clear inside. We got big problems. NASCAR! Yeah! Pardon, excusez-moi. Ouais ouais, t'inquiète, t'inquiète, c'est juste, c'est rien, c'est le NASCAR. C'est rien, c'est rien, c'est rien. America! Yeah! Let's go! It's nothing, it's just NASCAR, you know? Les pneus sont froids, les pneus sont froids. J'esquive. Et Ewa. Oh, oh. Car stop down low. Go high. Un peu trop rapide. Car stop down low. Go high. Car stop down low. Go high. J'attends ton drift. Go high. NASCAR! Yeah! Pardon. A chaque fois qu'il y aura un crash, je vais juste crier NASCAR! America! T'as de l'avenir en NASCAR. En vrai, je pense que je suis un... En vrai, je pense que je suis pas dégueu en NASCAR. Je pense que la catégorie où je suis sûrement peut-être, où j'ai le plus d'avenir, ce serait peut-être le WRC. Alors que j'en ai jamais fait. Mais je trouve ça plus instinctif dans ma tête. Je pense si un jour, je pense qu'il faut juste que j'achète un volant rond et je vous ferai un stream WRC. Et j'essaierai de... à deux doigts de faire la créateur série WRC, hein, je vous le dis. À deux doigts. Hein. Parce qu'il y en a une. Hein. Si on te met dans une F4 IRL, tu penses que tu gères ? Attends, je vais régler le miroir. Si on se met par rapport au GP Explorer, je pense que je joue, je pense que je joue le top 3. Je pense que je joue le top 3. En vrai, je pense que tu te mets en 4, tu te mets en, à base de GP Explorer. Je pense que je joue le top 3. Rob joue le top 3. Hydro jouerait le top 3. Pardon, Étienne Moustache. Non, mais c'est vrai parce que derrière, c'est pas non plus. Moi, je pense que ça joue le top 3.
Je pense que n'importe quel streamer sport auto qui roule beaucoup joue le top 3. En vrai. Et je dis top 3 parce que je pense Despiello il a du bon roulage maintenant, putain. Despiello est devenu giga chaud. Mais je pense ça joue genre les. Mais en vrai non, en vrai premier degré vous pensez pas ça? Vous pensez pas genre les Alors hop là on esquive tranquillement. Excuse-nous Despiello, je suis plus rapide, je suis 127. Mais j'ai pas dit F1-24. Déjà j'ai pas mal séché les F4 sur e-racing. Le concept de Zinzin, la Creator Series en vrai en F4. Ça s'appelle le GP Explorer, mon ref. Dans ce cas-là, tu mets Sylvain Etienne, t'as un beau top 5 si on rajoute PO et Anna. Ça peut être tellement fun en vrai. Mais ouais. Et encore, Anna, elle était à combien de. De dixième de Etienne quand on compare. Parce qu'elle a fait quoi? Elle a fait P5, t'avais Bouzy derrière. Non, je pense vraiment, les streamers sport auto, que ce soit moi, Rob ou Hydro, c'est peut-être devant Bouzy. Hein. Et ça va chercher Etienne. Hein. Après, Etienne, ce qui l'aide pas, c'est que je pense qu'il roule très bien. Mais il y a peut-être, et je crois qu'il l'avait dit, il y a peut-être le poids qui joue. Pierre Jean en ovale, j'aime ce que je vois. Bonsoir. Bonsoir Jérém, tiens Jérém. Ouvrons un débat Jérém. Et j'espère que ce débat sera utilisé dans les commentaires de la chaîne replay. Jérém. Au GP Explorer 3, on est d'accord que ce soit moi, Rob ou Hydro. Et même Kaylon, ça joue top 3. Oui, voilà. Je suis pas fou de dire ça. Normalement, n'importe quel streamer sport auto, il y en a pas sur la grille. Genre Despiello est pas vraiment streamer, donc en vrai, t'en as pas. Bah Etienne, est-ce que vraiment c'est streamer temps plein? En vrai, je pense que n'importe quel streamer sport auto, ça joue top 3 les gars. Hein. Je vais toucher. Ah oui, je vais toucher. Le seul facteur qui peut jouer, le poids. C'est l'expérience des autres 2 ans avant. C'est ouais, c'est ça. Je pense que c'est clairement ça. Parce que maintenant, ils ont des sacrées heures de roulage. Hein. GP3, j'espère qu'ils vont changer un peu les line-up. Hein. Si c'est pour remettre Despiello Sylvain, bon. Est-ce qu'on n'aurait pas fait le tour? Si c'est pour réavoir le même podium. Je pense qu'il faut rechanger toutes les line-up là. Faut faire du suspense. Ou en tout cas, ceux qui étaient déjà là au premier. Faut les changer. À tout moment, Hydro, GP3. Non mais Hydro, il rentre pas dans une F4, les gars. J'ai pas suivi, désolé, il y aura un GP3. Bon, c'est. Oui, il l'a dit de toute façon. Il n'y a pas une vidéo détecteur de mensonges où Squeezie il a dit. Oui, il a pas réussi à mentir. Globalement, il a toujours dit qu'il y en aurait un troisième. En vrai, ce serait incroyable de le faire au Ricard, ça changerait du Mans. Ouais, mais je crois que le Mans c'est le plus pratique. Paul Ricard, je sais pas. Paul Ricard, en fait, ce qui serait stylé, c'est que t'as peut-être. Plus d'aspiration. Genre tu mets Paul Ricard avec la big ligne droite. J'adore le Paul Ricard mais bon courage leur gars. Ouais. C'est un enfer. Il a dit si on fait un 2 on fait un 3. Ouais voilà donc c'est. Mais...
En vrai, il faut changer toutes les line-up. Au moins ceux qui étaient là au premier, faut changer. Parce que sinon, t'as le même podium. Plus l'expérience de Zinzin maintenant. C'est sûr que pour amener le public, c'est pas la même. Ouais. Après, en dehors de l'aspect course, le GP2, t'avais des vrais trucs, hein. Le concert à la fin, c'était génial. Genre, t'avais full stand autour. Peut-être niveau. Et après, j'ai plus les souvenirs en tête totalement. Je crois qu'il faisait hyper chaud. Je crois qu'il faisait giga chaud. Et que niveau eau, c'était un enfer pour avoir de l'eau. GP2, le concert Masterclass. Ah ouais, GP2, le concert, c'était trop bien. Moi, je maintiens que je le maintiens encore entre les courses du GP F4. Bon, en plus, il y avait la F1, il y avait GM4, etc. Enfin, j'avais full truc. Mais entre les courses, foutez-nous une foutue course de Twizy. Techniquement, c'est de la monoplace. Foutez-nous une course de Twizy. Ou de trottes électriques, vas-y. Fous-nous un big truc de trottes électriques là. Ouais. Ouais, la chaleur c'est un enfer. Hein. J'ai plus le souvenir en tête, mais. Allez, let's go en NASCAR, on va se crash. Surtout vu la gueule du circuit. Sondage, combien de secondes tu tiens? Je pense là on a le temps. Genre, vous voyez, à 22h45 il y a une course de F3. Je pense je la fais, hein. On veut la musique. Life is a highway. Merci Dominique pour le prime. Merci beaucoup. Dominique de Coco. Merci Dominique de Coco pour le prime. Got to push up on the outside road. Push up, brother. The ice car is in. Green flag, green flag. Ah, j'ai ralenti direct. Still there, inside. Clear inside. Nice. Car outside. Clear outside if you want it. Non, non, reviens pas comme ça, reviens pas comme ça. Voilà, merci. Slow car down low. Ok. Tu es dans le top 10. Je suis dans le top 10, les gars, je suis dans le top 10. Go high. De toute façon, il faudra gérer les drapeaux bleus. On rappelle que c'est que 25 tours. Oh putain. Outside. Car outside. Clear up top. Inside. C'était impressionnant là, ce Wow, this is hard to miss. You're in fourth position. Still there, inside. Clear inside. I'm on your left, dude. Go high. That car is a lap down. Go low. Oh. Go low. The next car's the leader. Ah, j'ai fait mon choix. Hein. You've got wheel damage. Ah bah ouais, mais j'ai fait mon choix. Hein. Ah mais je crois que la roue avant elle est. Ah ouais, je crois qu'il y a un problème. Ah, j'ai pas eu le choix. NASCAR! Car outside. Ok, c'est par où la pit lane? Excusez-moi, la pit lane elle est par où? Par là? Inside. Non, par contre, c'est débile là, qu'est-ce qu'il fait lui? Attendez, excusez-moi, je voudrais passer. Voilà, merci, excusez-moi.
Est-ce que j'ai un fast repair ou pas? Tu vois, c'est pas normal que mon volant comme ça aille tout droit. Ah, vous êtes là. Pardon. Allez les gars, on répare. On sait très bien qu'il y aura des crashs, on continue. Est-ce que j'ai un fast repair? Ça y est, la voiture est réparée. Ok, j'ai une deuxième chance. Mon rêve un jour, on fait une... Mais mon rêve, je fais l'Indy 500 un jour. Hein. Mais j'ai pas réussi à monter. J'ai pas réussi à monter. À monter mon Elo assez haut. Ok, j'ai une deuxième chance. Regardez bien. Ok, on esquive. Excusez-moi, je slalom. Yeah, I don't know, I miss that guy. Vous vous souvenez quand je vous ai dit que je ferais la course de F3? Laissez-moi m'inscrire. Vite. Withdraw, vite. Ok les gars, c'est parti pour la course de F3. C'est parti. Je suis inscrit. Allez, hein, c'est parti. NASCAR, yeah. Ah, il y a un petit kiff, mais il faudrait peut-être moins se crash. Ça, c'est de l'analyse. On n'hésite pas. L'analyse, c'est important. Il était beau le dernier. Le dernier était pas mal. Il y avait un truc de slalom et tout. Malheureusement, j'ai pas compris que ma voiture avait pas d'aéro, quoi. Est-ce que je vais me faire recaler à l'entrée ou pas? C'est la question. Oh, mais cette scène, elle est pas à jour. Hop, transformer. Adapté à l'écran. Voilà. Ah, c'est bon, je peux join. C'est bon, je me suis pas fait recaler à l'entrée. Maintenant, c'est F3. Non, ça marche pas. Il y a un kiff, mais c'est cool de finir une course. Il y a un kiff en ovale. Moi, j'aime beaucoup. J'aimerais bien pouvoir faire de l'IndyCar en ovale. C'est mon rêve le plus cher. Mais pour ça, il faut que je monte beaucoup plus haut que classe D. Et pour monter plus haut que classe D, il faut pas se crash. Et pas se crash en ovale, c'est chiant. Enfin, je veux dire, pas se crash en ovale, ça veut surtout dire que tu ne prends vraiment aucun risque, quoi. C'est là le truc. Je viens de commencer, je suis rookie que des terroristes. On voit mes messages. Oui, on voit tes messages. On les voit. Ah, il est long le chargement. Terrible. Faudrait que je reprenne Valorant, j'arrête pas de dire ça, mais. À un moment, ça reviendra. Allez, let's go les gars. On est en quoi? Ah là, il y a des setups. Fuji, Bam, Cumber. Quelqu'un s'est touché à ça? Je voudrais me rajouter de l'aileron avant, s'il vous plaît. Comment je fais? Quelqu'un sait? Quelqu'un sait comment je fais? Quelqu'un est expert en setup? Bah tu le rajoutes. Mais il est où? C'est dans quoi? Parce que là c'est front. T'as l'aileron avant. Left front. Right front. Right rear. Left rear. Ça c'est quoi? C'est les pneus? Rear.
Regarde en dessous de la page. T'as tailleur aéro, ensuite châssis. Front flap angle. Si j'augmente le degré, est-ce que ça augmente la charge ou c'est l'inverse? Vous avez raison, c'était ça. Ok. Eh bien, je viens de me rajouter plus 2 d'aileron avant. Et vous allez voir que le rythme, il va pas être le même d'un coup. Vous allez voir que là, faudra pas me faire chier sur la piste, j'ai envie de vous dire. You're on a dry tire. Vous êtes prêts? East lap 3. Attends, je vais faire un beau lift and coast du coup. Je veux. Attends, merde, j'ai pas regardé la météo, je vois. Attendez, non, non, non. Attendez. Je vois des trucs derrière là qui me plaisent pas. Track is very lightly wet. Wet. Oh! Attendez, la piste elle est mouillée là. Hein. Moi j'y vais en wet là. Hein. Ok. On verra après la qualif, Ezir. Ok. Alors vous ferez gaffe, c'est un peu trempé. Vous ferez un peu attention, hein. Je compte sur vous. Wouah! Et les pneus sont froids! Les pneus sont froids! Attention, il y a un mur derrière! Ouh! The officials don't like how you're driving and want to have a chat. Your lap times will be deleted until you're in the Bon, je crois car. qu'ils n'ont pas apprécié, mais. Ils n'ont pas apprécié mon niveau sur la piste, je vous le dis. Non mais je pense que ça va être sec pour la course. Bon attendez. Laissez-moi mettre de l'essence. Allez, c'est bon. C'est bon, là vous allez voir. Ça y est, là, je me dis, je vois la pluie. Ah, ça tourne pas hein, sous la pluie, hein. C'est fou, hein. Ah, c'est parce que les pneus doivent chauffer, les gars. Voilà, on laisse les pneus chauffer, on est doux. On y va tranquille. S'il y a aucun temps, c'est que les... Ouais. S'il y a aucun temps, c'est que tout le monde glisse. Une 49 le temps. Ah oui, quand même. Ah ouais, mais là j'ai pas le temps de faire deux tours du coup si les temps sont aussi lents.
Allez, let's go, c'est mon moment, les gars. Vous êtes prêts? C'est mon moment. One shot, one opportunity. Regardez ça. C'est mon moment sous la pluie. Green flag, green flag. Okay, here comes your first time lap. J'avais oublié qu'il fallait pas toucher les vibreurs. Après la piste, elle est légèrement mouillée, hein. Je pense que j'explose tout le monde là. Je pense que là c'était une pole gratuite en fait, c'est ça qui fait chier. J'ai peut-être le temps de lancer mon dernier tour, on va voir. J'ai peut-être le temps. Là, je le fais en combien mon tour? Je le fais en 1:47:27. J'aurais eu la pole. J'aurais eu la pole et ça, ça me vénère. Attendez, j'attaque. On va voir. Inch, ça passe. On va voir si ça passe. Hein. Si j'ai le temps de valider mon tour ou pas. La piste est sèche là. Mais là j'ai trouvé la piste sèche en fait. Là les autres ont fait leur calife sur du mouillé, moi je suis sur du sec là. Et là j'ai 2 secondes d'avance sur mon chrono quand même. 3 secondes bientôt. You have about one lap of fuel left. Non ! J'avais 3 secondes d'avance. Ce foutu virage de merde. Comment je la perds? Ah oui, si jamais pour la couleur de la voiture. C'est juste que là, Trading Paint, je sais pas pourquoi il marche pas. Il marche plus. Pff, ok, ok. Bon. Regardons vite fait la météo, déjà. Track is very lightly wet. Ça ne bouge pas. Est-ce que on a l'info? On n'a pas l'info. On va partir sur des wet, hein. Ça va pas sécher, hein. On va faire une course sur wet là. Genre là, je dois faire un last to first sur du wet. Ctrl C pour Trading Paint. The estimated strength of field is 1000. You run light or wait? Stay up. Et moi? Tight field today. Alors, contrôle C, je veux bien, mais la mienne, il n'y a pas de contrôle C. Hein. Ah, mais je suis con, j'ai juste pas sélectionné de peinture sur cette catégorie-là. My bad.
Bon bah on va voir. Déjà on va voir le départ sous la pluie. Est-ce que tout le monde va être un peu familier Does avec? anybody else have the bug that like the wets and dries look exactly the same? Or is that supposed to be? What did you choose, my friend? Cars left the grid. Il vient de dire les deux pneus sont les mêmes. Il y a des gens en slick là devant? Like for me, wet tires have no profile. Just like the slicks, they look exactly the same. J'ai peur d'avoir fait le mauvais choix. Ils sont tous en sec devant. Et moi, je suis en wet. Vas-y, c'est bon, c'est pas grave. J'assume mon choix. J'ai pas mis l'essence! J'ai pas mis l'essence! J'ai 4 litres d'essence! Je dois passer au stand! Non! Green, green, green. There's an incident ahead. Oh, ça va glisser. Oh, ça va glisser. Oh, sous la pluie. Oh là là, sous la pluie. You're in the middle. This is not looking good. Car on your left, two wide. You're in the middle, three wide. You're in the middle, three wide. Car right, two wide. You're on the left, three wide. En plus, je survis, j'ai le seum. Clear. There's an incident ahead. Slow car ahead. En plus, je survis, j'ai le seum, j'ai les bons pneus. Oh, j'ai envie d'hurler. Non! C'est. J'ai fait une bonne course aujourd'hui, le reste, je pue la merde. Oh bah, bien joué de m'avoir esquivé, hein, parce que j'ai vraiment été un trou du cul là. Ok, je remets des wets. C'est pas grave, je vais devoir passer au stand, les gars, je vais devoir mettre des wets. You got a slow car on the left, left side. Clear on the left. Basically, everyone is on dry. No, not me. There's an incident behind. Car stopped ahead. Car stopped on the left. Right side. You got a slow car on the right. But I am in wet. But I forgot to right side. To give some fuel to my car. Still there. Clear. I have no fuel, guys. Clear. Allez, c'est pas grave les gars. On va voir combien je finis quand même. Il y aura des crashs. Oh merde, c'est là. Allez, mettez-moi de l'essence, s'il vous plaît. Voilà, merci. Tant pis, hein, on n'a pas mis d'essence, on n'a pas mis d'essence. C'est comme ça maintenant. On est P17. On va voir combien on remonte. C'est combien de tours? C'est 19 tours. Il y a un peu de temps. En 19 tours. There's an incident ahead. Bon, attention, le premier tour, les pneus vont être froids. Hein. Car stopped ahead. You got a slow car on the right. Mais les softs, c'est pas possible que ça tienne là. Vous avez vu comment la piste est mouillée? Non parce que. Non parce que. What are you doing, bro? Honestly. C'est pas pour moi, c'est pas pour Thanks moi. For us. We end the puppet. I lose the car, bro. So it's one. Attendez, fermez-la s'il vous plaît. Il y en a qui se concentrent. De toute façon, on va se comparer avec les premiers là qui sont en slick. Regardez, ils sont à 40 secondes.
Est-ce que je vais gagner du temps sur eux? Faut que je me concentre comme si j'étais le petit génie de la pluie. Allez, là normalement les pneus sont chauds. Donc on compare notre rythme avec les mecs en slick. Si les wets sont pareils que les slicks, c'est n'importe quoi. Me parlez plus de simulateur, tout ça. Là je suis à 35 secondes, il est en slick. On va voir. Ah, bah on va pas voir en fait. Oui, je sais. Ah, on peut cut. Comme on est sous la pluie, le slowdown, c'est pas le même. Ils l'ont pas réglé. Oh, les cons. Ah. Pardon, je suis insolent. Ouais, c'est bien mouillé, hein. Oui, j'ai touché le vibreur, du coup j'ai glissé. Mais c'est quoi? C'est les wets qui puent la merde là pour que je sois aussi lent? Non mais là c'est... Le meilleur tour il est en 1.46. Le meilleur temps. The car in P5 just set the fastest lap. 45.693. Mais là, il y a moins de traînée d'eau derrière. Est-ce que la piste serait pas en train de sécher? Bon, mon temps il va être en combien là du coup? Si le meilleur tour il est en 1.46. Je remonte au moins sur les jambes devant en slick ou pas? Si, elle sèche de malade. Oh mais l'enfer! Mais elle est horrible cette course. Clear on the right.
Ah, on esquive, hein. On l'a vu venir. You got a slow car on the left. You got a slow car on the left. You're gaining on the car in front. The gap is 9.8 seconds. Ok, je gagne combien sur le mec de devant? The car in P5. Just set the fastest lap. Porsche 5.647. Mais elle est ultra sèche la piste. There's an incident c'est bon. Ahead. You got a slow car on the right. Car stops on the right. Parce que derrière moi, il est en quoi? Il est en slick. 20 minutes to go. You just set the fastest lap. Ah, j'ai le meilleur tour. Bah non, c'est des watts du coup pour l'instant. Si j'ai le meilleur tour, vas-y, on continue hein. Allez, je continue comme ça. Du coup, session best lap, on continue d'aligner les meilleurs tours. Ouais, il y a encore de l'eau, il y a encore de l'eau. Petit off track, c'est pas grave. On est encore en amélioration. On continue, keep pushing. Ah, j'ai freiné trop tard. Ok, c'est pas fou, mais j'améliore encore. Ah, mais derrière, ça vient de tourner en 1.44.4. Hein. J'améliore, mais bon. Ok. Le meilleur temps, il est une seconde plus haut. Ok, vas-y. Je peux le faire. La piste n'est pas encore sèche. Hein. Je refuse. Hein. Il faut que j'aille chercher une seconde sur mon chrono là. Je suis à 5 dixièmes. Plus que 5 dans le secteur 3. On sacrifie l'entrée pour favoriser la sortie. Ah, c'est pas fou. Ok, 5 dixièmes, petit à petit. On passe en dessous des 1.45. Mais c'est pas encore ça. C'est pas encore ça, on est toujours combien? Je suis toujours 16ème quoi, donc mais on est à la moitié. On peut peut-être remonter. Ciao Marlito. Bonne nuit.
Voilà. Là j'attaque là, regardez-moi. Là je commence à trouver un point de repère sous la pluie. Me regardez pas trop, me regardez pas trop, me regardez pas trop. Regardez-moi, regardez-moi, regardez-moi. J'améliore là, je vais choper le meilleur tour. Je vais le choper le meilleur tour. Venez là, venez là, venez là. C'est quoi ta livrée? C'est une Racing Pierge. Oh merde, ils vont me gêner dans le meilleur tour, c'est pas grave. Je suis là. Ok, il m'a niqué mon meilleur tour, mais c'est pas grave. On va chercher des positions. Oh non. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On maîtrise, on remonte, deux positions de prise, let's go. Le top 10 peut-être. A chaque fois que tu dis un truc positif sur ta conduite, il y a une dinguerie qui arrive. C'est fou ça. C'est pas bon du tout. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ils nous ont fait perdre du temps, mais regardez, le prochain tour, je prends le meilleur tour. Prochain tour, je prends le meilleur tour. Check this out. On a les bons pneus en fait, on a les bons pneus, il y a encore de la pluie. Pourquoi je vais sur le vibreur? Pourquoi? Pourquoi je vais dessus comme un crétin? J'avais pas vu qu'il en restait un, j'ai cru qu'il l'était passé. Pourquoi je vais dessus comme un crétin en me disant ça passe? Non, ça glisse. Je suis un débile. Ouais bon. Ah il avait pas d'aileron peut-être. Ah mais il avait déjà. Il était déjà mort. Oh mais je suis un débile. Oh je suis teubé. Oh. Je suis un crétin. C'est le mot. Oh. Oh dépité. Dépité. Vilaine faute. Ouais, pas terrible, hein. Beau t-shirt. Merci, les gars, merci. Ah, fait chier. Non, j'étais bête. Bon, c'est dommage. On aurait pu faire tellement mieux sur toutes les autres courses à chaque fois. C'est un peu la classique de ma vie, hein, finalement. Oh, vraiment. Ah, j'en ai mal au crâne. La classique pire. Ouais, la classique, c'est vraiment. J'attaque en boucle. Je me dis, ça passe. Et puis ça passe pas. Ou alors je prends confiance et j'en fais trop. Enfin genre c'est un truc de fou que j'arrive pas à corriger ça en... Je suis crispé, je veux trop en faire. C'est un peu la classique. Enfin bref. Enfin bref, enfin bref. Merci tout le monde, moi je vais m'arrêter là. J'espère que ce stream vous aura plu. Je vais en profiter pour aller me coucher. Et puis voilà. Tout simplement. Je vous souhaite une bonne soirée. Point d'exclamation Allskern, si jamais c'est eux qui se sponsorisent ce mois-ci. Si vous voulez, vous avez moins 10% en passant par mon lien. Il y a des montres, des bijoux, des sacs. C'est pas du dropshipping, hein, c'est une vraie marque officielle et tout. Moi j'ai reçu mes lunettes de soleil aussi. Si jamais vous voulez passer par mon lien, n'hésitez pas. Ça permet de me soutenir directement, de montrer que... Même juste cliquer sur le lien, de montrer que vous n'en avez pas rien à foutre en termes de trafic et tout. Mais voilà quoi, juste si jamais vous avez envie de... Vous avez des produits qui vous intéressent, utilisez mon code. Comme ça, ça leur donnera envie de continuer sur plus d'un mois et d'apporter une certaine stabilité à cette chaîne. Voilà. Bisous tout le monde. Bonne nuit. Pareil, si vous voulez les replays, point d'exclamation replay, vous avez l'habitude de toute façon. Et si jamais sur Insta, j'ai un canal maintenant. Voilà, comme ça, vous êtes au courant. Je parle de temps en temps dessus. Bref, bisous. Je vous laisse avec 3 minutes de pub pour soutenir la chaîne si vous voulez mettre le stream de côté. Pendant ces 3 minutes, et puis on se dit à demain!
On se dit à demain directement. Ciao, ciao. Bisous. Salut. We'll be right back.